Bonjour. Il est un des premiers d'une longue série d'hôtels style château construits pour la compagnie ferroviaire Canadien Pacifique selon les plans de l'architecte américain Bruce Price à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Il ouvrit ses portes en 1893. La société ferroviaire a cherché à encourager le tourisme de luxe et à transporter les voyageurs bien nantis dans ces trains. Le château Frontenac est un cousin du château Lac-Louise sur la rive sud du Lac-Louise en Alberta. Son architecture s'inspire des châteaux érigés en France vers la période de Renaissance. Le site actuel du château Frontenac n'a pas été découvert au 19e siècle. La valeur stratégique exceptionnelle de ce lieu avait été reconnue par le fondateur même de la ville qui avait exploré, avant la fondation de Québec, les rivages des principaux cours d'eau de la Nouvelle-France. Première forteresse qui abritait les sentinelles de Samuel de Champlain et son modeste logis, construit une première fois en 1620, puis reconstruit en 1626, le fort de Québec y est représenté sur une carte de Jean Bourdon en 1635. La résidence de Champlain est accompagnée de deux corps de logis et protégée par une enceinte à deux bastions. De nouveaux travaux sont entrepris et le fort de Québec est désormais baptisé Château Saint-Louis. Détruit pendant l'attaque de Sir William Phipps le 16 octobre 1690, le château Saint-Louis est encore une fois reconstruit sur le même site par le comte de Frontenac dès 1692. Endommagé par l'armée anglaise à la conquête, il subit plusieurs campagnes de réparation en 1764 et 1786. En 1786, le général Haldimand, gouverneur du Canada, fait ériger à proximité un édifice qui portera son nom. Lors de l'incendie du château Saint-Louis, le 25 janvier 1834, c'est le château Haldimand qui restera sur l'emplacement en bordure de l'escarpement. Lord Durham rasera les ruines du château Saint-Louis afin de permettre la construction d'une plateforme pour le public qui deviendra la terrasse du Frein. C'est alors que Sir Donald Alexander Smith, Sir William Van Horne et quelques-uns de leurs amis financiers de Montréal formèrent la compagnie du château Frontenac pour financer l'érection d'un hôtel de grand luxe sur l'emplacement de l'historique château Saint-Louis. L'architecte choisi par les barons de la haute finance canadienne fut l'Américain Bruce Price. Cet architecte entreprend de réhabiliter les formes de la Renaissance de façon éclatante lorsqu'il dessine le château Frontenac. À l'origine, l'hôtel devait être une structure contemporaine. Les dessins, autant que le site lui-même, furent une inspiration pour Bruce Price, qui déclarait à l'époque: le style est bien sûr celui des anciens châteaux français adaptés aux besoins d'aujourd'hui. Ce style est en accord avec les traditions de l'ancienne ville française. Les matériaux de calcaire bleu et de briques d'Écosse sont en harmonie avec l'environnement. Ce sont des matériaux rendant possibles les effets de couleur et de lumière. Cet hôtel est placé au centre d'un paysage grandiose. Par conséquent, il se doit d'être grandiose, tant par ses matériaux que par la simplicité de sa conception. L'architecte américain s'était même rendu en France à Saint-Germain-en-Laye sur les lieux d'origine de Louis de Buade, comte de Frontenac. Dessiné par Bruce Price et construit par Félix Labelle, le château Frontenac empruntait la forme d'un fer à cheval autour d'une véritable cour d'honneur. Quatre ailes de proportions différentes logeaient les salles et les chambres, alors que les tours qui reliaient ces ailes abritaient les grandes suites. Le jour de l'ouverture du complexe hôtelier, le 18 décembre 1893, le Quebec Morning Chronicle publiait
sans aucune hésitation, il faut affirmer que le plus beau site dont on puisse rêver pour construire un hôtel de prestige est celui où se trouve aujourd'hui le château Frontenac. Les hauts toits de cuivre, les tours et tourelles donnent au bâtiment l'allure d'un château médiéval perché au-dessus d'un précipice. À travers une arche de pierre supportée par des colonnades, on pénètre dans une cour intérieure et dès l'entrée, le visiteur est frappé par la beauté des tableaux, des parquets de mosaïques et par les lambris et les décors des murs de chêne sculptés. Le grand escalier du hall, les armoiries de Frontenac peintes sur écusson, le portrait en pied de Frontenac qui décore le mur. Dans la salle à manger, située à l'étage, un large foyer en marbre était surmonté de la devise de la ville de Québec « Natura Fortis Industria Crescit ». Sur les murs, des tapisseries rares représentaient la fondation de la ville de Rome. La décoration intérieure était marquée du sceau, de l'opulence et du charme élégant. L'hôtel offrait 170 chambres, toutes chauffées par des foyers, 93 avec des chambres de bain aux appareils de marbre. Tout le décor et l'ameublement de chêne étaient conçus dans le style 16e siècle pour évoquer les châteaux du vieux continent. Bruce Price voit lui-même à la construction et à la décoration du château et reste attaché à la bonne marche de l'établissement, comme en témoignent plusieurs lettres. Le château Frontenac, après le Banff Spring dans les Rocheuses et l'Empress à Victoria, a établi le style château pour le Canadien Pacifique et dès sa construction, il répond au désir de Van Horn qui voulait en faire l'hôtel dont on parlerait le plus au monde. Le château Frontenac était grandiose. Cette composition asymétrique était marquée par des tours, des lucarnes, des toits pointus couverts de cuivre avec des murs polychromes de briques d'Écosse allégées par la pierre de la chevrotière qui composait les fondations, les tourelles et toutes les corniches. Max Pemberton résumait l'opinion mondiale lorsqu'il écrivait que Québec était l'une des plus belles villes du monde et que le château Frontenac dominait tant par sa localisation que par son luxe et son confort ultramoderne. Dès son ouverture, le château Frontenac connaît un succès extraordinaire, bien qu'au départ, le Canadien Pacifique n'ait pas attiré les Européens. La clientèle américaine et canadienne a permis à la compagnie de chemin de fer de réaliser de grands profits et dès 1898, l'affluence obligera l'architecte Bruce Price à concevoir une nouvelle aile appelée « Aile de la Citadelle » et « Pavillon de la Citadelle » en reprenant le dessin de l'édifice de 1892. Cette aile fermera le fer à cheval de la composition d'origine. Quelques années plus tard, des travaux d'agrandissement de 1 500 000 $ pour l'aile Mont-Carmel furent confiés à l'architecte de Détroit, Walker S. Painter, celui qui a construit l'Auditorium de Québec, maintenant le Capitole. L'aile de Painter se démarque de l'œuvre de Price par la verticalité des façades accentuée par les hautes lucarnes qui prolongent l'effet jusqu'au toit. L'élévation se termine au nord par une tour coiffée d'une toiture en pente qui dépassait en hauteur toutes les constructions du Vieux-Québec. Cette aile fut construite en béton renforcé par la Provincial Construction Company de Toronto. L'ajout se fondait harmonieusement à l'ensemble. Quant aux matériaux, aux coloris et aux toitures, ils formaient un tout homogène avec la construction originale. Grâce à cette nouvelle aile, le château Frontenac devenait le plus grand hôtel du pays. En 1919, le Canadien Pacifique commande aux architectes Maxwell de doubler la capacité du château Frontenac pour les besoins d'une clientèle en plein essor.
La solution préconisée par les architectes, étant donné le peu de terrain disponible si l'on veut préserver la terrasse et les jardins des gouverneurs, était la démolition de l'aile de service de Bruce Price et l'érection d'une tour centrale composée de 17 étages, une nouvelle aile de service ainsi qu'une autre aile le long de la rue Saint-Louis. La tour centrale, point final de l'ensemble architectural du château, fut dessinée en relation avec toutes les ailes existantes et inspirée de l'architecture des châteaux français de la Loire et de la tour de l'église de la Trinité à Boston, œuvre célèbre de H.H. Richardson. Le 16 janvier 1926, c'est la catastrophe. L'aile Riverview est ravagée par un incendie. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Le système de protection contre l'incendie du château est efficace et bien que l'eau gèle dès son contact avec les murs, la plus grande partie de l'hôtel est préservée du fléau et les équipements nécessaires à son fonctionnement demeurent opérationnels. Toutefois, à cause des rigueurs de l'hiver, le château enchanteur s'est transformé en un énorme château de glace aux formes distordues. Le feu a causé des dégâts que l'on évalue à plus de 760 000 $, une somme considérable pour l'époque. Malgré tout, les administrateurs du Canadien Pacifique réagissent rapidement et ordonnent la reconstruction de l'aile endommagée, entreprise à partir des plans originaux de Bruce Price, ainsi l'esprit de l'architecte américain est préservé, bien que physiquement, plus rien aujourd'hui ne subsiste du château de Bruce Price. Dès le mois de juin, l'aile fut entièrement reconstruite par Maxwell et Pitt. Le château Frontenac, après les restaurations majeures de 1973, adopte des programmes d'amélioration ponctuelle, mais ne peut éviter l'usure du temps. L'édifice prend de l'âge, les installations sont souvent défectueuses, la climatisation caduque, les chambres et salles de bain désuètes, les cuisines non performantes. À côté des nouveaux hôtels de la ville qui offrent des accommodations de congrès, des piscines, des centres de conditionnement physique et des spas, sans oublier des stationnements accessibles, le château, s'il demeure l'établissement le plus prestigieux, considère avec inquiétude les carences de ses services. Pour l'avènement du centenaire en 1993, le Canadien Pacifique songe à des fêtes spectaculaires pour entrer dans une nouvelle ère de prospérité et d'excellence. Il devient impérieux pour l'hôtel de se conformer aux normes internationales. Le 2 mars 1989, la direction de Hôtels et Villégiatures Canadien Pacifique dévoile donc un programme de restauration et de rénovation de 65 millions de dollars permettant à son passé de s'intégrer dans le futur. Le programme de rénovation et de construction a effectivement duré 6 ans, de 1987 à 1993. En 1987 et 1988, la rénovation des chambres de l'aile Mont-Carmel, des ailes Riverview et des étages inférieurs de la tour Maxwell s'est complétée sous la direction des architectes québécois Gauthier et Deschamps en collaboration avec les entrepreneurs généraux Beauvais et Marquis Incorporés et Beauvais et Verrette Incorporés. Tout le design du décor intérieur était signé par Alexandra Champalimo et associés designers. Pour ramener l'hôtel dans le circuit des grands palaces modernes, il convient de lui donner les moyens de recevoir les grands congrès internationaux et les nouvelles clientèles touristiques. La nouvelle répartition des espaces porte le nombre de chambres à 610, incluant 4 suites luxueuses, dont l'une à 2 niveaux. Quant aux espaces de congrès, 20 salles de réunion ont une capacité d'accueil en style théâtre allant de 10 à 900 personnes.
Au niveau principal, une nouvelle suite pour les réceptions offre une vue panoramique sur le fleuve Saint-Laurent. Afin de satisfaire le goût actuel des clients habitués au sport et aux exercices matinaux, le Canadien Pacifique propose un club de santé parfaitement équipé, incluant une piscine intérieure s'ouvrant sur un jardin-terrasse face au Parc des Gouverneurs. Tout le décor intérieur est marqué par une discrète opulence, boiseries de merisier ou d'érable, ameublement antique ou de facture contemporaine, créés pour donner l'impression de vivre dans un château, tapis feutrés et luminaires élégants. La tradition de Keith Reid se poursuit dans l'œuvre d'Alexandra Ciampalimo, qui, dans les espaces restaurés et créés, a su éviter le piège du tape à l'œil en y intégrant sobrement le confort moderne. Notons au passage qu'il y a eu des célébrités qui séjournèrent au château Frontenac, de la reine Élisabeth II jusqu'à la divine Sarah Bernhardt, reine incontestée du théâtre parisien au tournant du 19e siècle. Nous invitons à revenir visiter notre livre d'histoire dans une prochaine émission. Construction célèbre ou site historique, l'homme a toujours été à l'affût d'inventions qui permirent de faire avancer la technologie moderne. Ici Carole Gagnon, qui vous dit à bientôt.